Je m'appelle David Effendi, je suis écrivain scénariste, un parcours totalement autodidacte. Je m'intéressais beaucoup, beaucoup à la philosophie. Puis après être allé travailler aux États-Unis dans des petits métiers, j'ai compris ce que c'était vraiment, j'ai envie d'être écrivain. Et donc je me suis mis à écrire à l'âge de, à peu près après la trentaine, à écrire des romans, des polars. Et c'est parce que c'était littérature de genre qui était un peu des. Qui était un petit peu déconsidéré en France et que j'ai trouvé en Amérique une certaine admiration pour la littérature de genre. Ça m'a réconcilié avec ça et je me suis mis à faire des polars. Alors, de manière romanesque, solitaire, et après j'ai rencontré Olivier Marchal, et après il y a eu Braco avec lui pendant 2 saisons, et ensuite je me suis remis à l'écriture personnelle en oscillant avec des essais sur les services secrets français depuis 80 ans, ou des romans sur Tête de Dragon, les mafias chinoises, et des séries pour Arte. Qui sont aussi des séries sur la guerre de 30 ans. Voilà, donc j'ai, que ce soit aussi bien du documentaire, de la fiction, j'ai essayé de vivre de ça depuis une quinzaine d'années. Et puis, les parcours, j'ai appris ça de manière sur le tas. Alors, je dirais que c'était de manière intuitive, de manière très, très, très chaotique. J'ai réussi à construire une trame narrative sans savoir qu'elle faisait partie de certaines trames narratives déjà étudiées par les Américains. Et j'ai perdu du temps à travailler de manière instinctive, mais sans vraiment règle, sans règle aucune, quoi. J'ai écrit un plan comme c'était une histoire vraie. C'était l'histoire d'un voyou qui avait intégré des terroristes d'extrême gauche dans les années 70, et c'était un voyou manipulé par les services secrets. Donc c'était une histoire vraie. C'était un type qui avait réellement existé, avec des gens des services secrets qui ont réellement existé, et c'était la gauche prolétarienne, donc des gens qui voulaient radicalement faire des attentats. Donc il y avait déjà ce schéma réaliste qui était là. Il y avait déjà une trame réaliste, il y avait certaines choses que je devais respecter. Après, sur la trame narrative, je me suis basé beaucoup sur l'émotion. C'est-à-dire que je sentais qu'il fallait que. Il y a un élément déclencheur, je sentais qu'il fallait qu'il y ait un voyage, qu'il quitte sa famille, je sentais ça, mais je sentais qu'il y avait un plan. Alors je faisais des têtes de chapitres, mais pas des plans, vraiment des structures narratives comme vous le faites, mais plutôt de par chapitre. Bon, bah, ce chapitre, il se passait ça, le chapitre d'après, il se passe ça, il se passe ça. Et le type avait été voyou, il était allé en prison, recruté par les services secrets, c'était devenu une star, et après il était mort à 27 ans. Donc en fait, les schémas narratifs du voyage du héros étaient déjà intégrés dans sa vie. C'est pour ça que sa vie m'avait intéressé, d'ailleurs, c'est sûrement pour ça. Donc les schémas narratifs ont été faits en amont. J'ai beaucoup jeté quand même. Mais c'est la réalité qui m'a servi de canevas. C'est un besoin intérieur, c'est une relation voilà, intime avec l'histoire de ma famille, l'histoire du passé de ma famille, comment il y avait eu de mon passé à moi, parce que ce type qui est mort, ce héros qui est mort 9 mois avant ma naissance. Donc c'était bizarre en fait, et je me sentais, voilà, et je me suis identifié avec ce voyou que mon père avait manipulé pendant plusieurs années. J'étais pas dans la littérature de genre, j'avais été influencé par un certain snobisme parisien de littérature classique, en cassant l'histoire, en cassant les personnages, en voulant tout le temps révolutionner les styles. Et puis j'aimais les mots, j'aimais les histoires, et quand je suis parti en Amérique, et là j'ai découvert le polar, et j'ai découvert Elroy. Et Elroy était le déclencheur de tout ça. James Elroy, je me suis dit, mais putain, on peut faire des polars en parlant de géopolitique, en parlant des services secrets, en parlant de choses vraies, en parlant du monde et en étant intelligent. Et cette intelligence, en fait, je l'ai découverte avec ce côté aussi de partage avec le lecteur. J'ai découvert chez Elroy et chez le polar en général, qui est venu aussi des séries de l'époque, c'était les années 2000. Donc il y avait The Shield qui est apparu, Elroy qui apparaissait. Et c'était cette nouvelle manière de raconter les histoires, qui est venue par HBO. Il y a eu HBO Elroy. Quand j'étais aux États-Unis, HBO sortait ses séries The Shield. Et ça m'a vachement influencé. Et ça m'a donné envie d'écrire un polar. Et ça m'a reconnecté en plus avec une histoire familiale, une histoire intime. En France, on est un pays latin avec le mythe du génie et de l'inspiration, de l'intuition. Alors qu'aux États-Unis, ils ont un rapport très professionnel, très scientifique et très ordonné à la narration. Et ils savent qu'il y a des règles. Et que pour exprimer au mieux son talent, il faut connaître déjà les règles. Ou pour casser les règles, il faut déjà les connaître. Alors qu'en France, on est dans une sorte de révolution permanente,
à refuser des schémas, refuser des structures, qui est malheureusement peut-être des fois plus proche de la poésie que du travail de romancier. Et je dis ça avec beaucoup de respect pour la poésie, parce que la poésie, déjà, il y avait des structures avant, avec les octosyllabes, enfin avec des alexandrins. Mais voilà, la France, le roman, elle est vue comme une arme rebelle contre les magmas, contre les Netflix, contre Canal+, contre la littérature de genre. Et c'est ça qui m'avait été un frein et qui m'a fait perdre du temps beaucoup par mon rapport à la littérature. Ben oui, j'aurais aimé prendre des cours. Déjà, ce que vous faites ici, j'aurais aimé connaître ça dès le départ. Et malheureusement, j'ai mis beaucoup de temps à savoir ça. Et je vais pas dire, c'est que j'ai perdu du temps à être dans l'intuition, à pas connaître les manières des structures narratives. Et de connaître ça, de la manière dont vous l'enseignez et dont font les Américains, ça m'aurait fait gagner en qualité et en temps. Si on n'a pas. Si on construit une maison, on a besoin d'une architecture. Et l'art vient aussi d'une construction qui obéit à certaines lois de la physique, à certaines lois de la biologie, à certaines lois cognitives, à certaines lois de la réalité. Et à vouloir se détacher de la réalité pour réinventer une autre réalité, telle que la littérature française le souhaite et le désire, ça l'amène à faire des choses où il n'y a plus de partage d'une émotion avec le public. C'est que ça devient un ego trip très très solitaire et une manière en fait de refuser le monde sans en connaître les règles et sans vouloir au moins respecter des lois de la réalité qui sont bah, qui sont celles de Monsieur Tout-le-Monde et qu'on n'écrit pas uniquement pour des gens qui ont le temps de lire, mais on écrit aussi et on fait des séries pour des gens bah, qui bossent toute la journée, qui ont chi, qui sont des fois au chômage et qui en galèrent, et que des fois on leur donne un petit peu d'émotion pour leur remonter le moral. Mais que la littérature et le cinéma, ça va pas changer le monde. Donc il faut être un peu plus humble aussi sur le rapport du cinéma et de la littérature au monde. C'est qu'on est malheureusement pas là pour faire la révolution, on est là aussi pour des fois apporter un peu de bonheur aux gens qui en chient toute la journée, et dont nous on fait un métier qui est magnifique, et on a de la chance d'avoir des subventions, on a de la chance de pouvoir vivre bien de ce métier, et faudrait pas oublier que c'est les mecs qui galèrent qui nous payent les salaires. Donc c'est quand même une manière de redonner ce qu'on a pris aux gens. Le monde du cinéma en France a tendance à se professionnaliser, un peu plus vite que les romans, et les structures narratives, ou en tout cas les méthodes anglo-saxonnes et creative writing, a influencé le cinéma plus rapidement. Avec Marshall, pour Braco, avec les trucs, c'était de manière instinctive. Et comme il a un génie en lui de toujours retomber sur ses pattes, et son instinct correspond aux structures, comme Jean-Christophe Granger, qui est pareil, ses instincts correspondent aux structures. C'est des gens qui ont beaucoup de chance. Et qui ont beaucoup de chance, enfin beaucoup de chance, qui ont beaucoup de talent en fait, hein, c'est pas de la chance, mais. Alors, c'est pour ça que le cinéma français a été souvent encore comme le roman, dans une manière intuitive de créer les choses. Et que surtout le cinéma français indépendant refusait les schémas narratifs anglo-saxons. Il y avait cette idée dans nos nouveaux romans, La Nouvelle Vague, de casser les structures narratives. Et donc, la Nouvelle Vague ne respectait pas le raconteur d'histoire, le scénariste. Il fallait respecter uniquement le réalisateur et l'esthétisme sans histoire. Donc, ça a apporté en fait un mépris du scénariste pendant très longtemps en France. Là, c'est en train de changer, beaucoup changé vers certaines écoles, où on respecte enfin celui qui raconte une histoire dans le monde du cinéma. Ed Burns, le créateur de The Wire, c'est lui aussi qui m'a le premier ouvert sur ça. C'est qu'avec David Simon, quand ils ont fait The Wire, et la manière de travailler des scénaristes américains, et c'était il n'y a pas longtemps, c'est-à-dire qu'on a commencé il y a 3 ans, Ed Burns, il m'a ouvert les yeux totalement. Il m'a dit, mais c'est quoi en France? Pourquoi on ne respecte pas les scénaristes? Pourquoi les scénaristes travaillent à l'instinct? J'avais l'impression qu'on était encore. On avait beaucoup à apprendre des Américains. Et qu'au lieu de se fermer à eux, des types comme Ed Burns, les manières dont ils ont à construire un scénario collectivement avec des schémas narratifs, nous, on était dans un truc du solitaire sans règles. Et ce solitaire sans règles date. Et ce mythe autour du solitaire sans règles arrange aussi une certaine industrie du cinéma et une industrie culturelle. C'est-à-dire qu'il vaut mieux qu'un écrivain soit pauvre, alcoolique et oublié, et que toutes les richesses soient captées par les producteurs, alors qu'aux États-Unis, le scénariste, il va être important dans sa démarche artistique, il va imposer ses règles aux producteurs et aux réalisateurs et aux acteurs, et en plus, il va gagner de l'argent.
Et en France, de croire que l'écrivain doit pas s'intéresser à l'argent et tout, ça a été truc. Et Ed Burns, qui est un type communiste, enfin, hein, il est violemment anticapitaliste, il m'a dit, mais cette manière en France de rejeter l'industrie américaine, bah, est contre-productive, parce qu'en fait, les mecs, ils sont exploités par toute une idéologie derrière. Et c'est une idéologie en France, derrière, qui date d'une certaine. Enfin, il y a plusieurs facteurs, hein, y a plusieurs facteurs là-dessus, qui fait que en France, on est très loin de respecter les auteurs, de respecter leur travail esthétiquement, de respecter aussi les rémunérations, de savoir les payer correctement, et de savoir que la base de tout, c'est raconter une histoire. Et les Américains le connaissent. Et Ed Burns a ouvert les yeux. Mais c'est pas un hasard si je me suis intéressé après aux structures narratives, après l'avoir rencontré. Et j'ai lu après les Troubies. Alors les Vogler, c'est les peu de bouquins qu'on a disponibles en France, et qu'après j'ai fait votre connaissance. Et je me suis dit, mais il y a tout un monde, en fait, qui est totalement. C'est qui est dans l'angle mort de l'industrie culturelle française. Et c'est notre angle mort. Et il faut essayer de, re, voilà, de montrer ça aux des jeunes types pour qu'ils ne connaissent pas le même parcours que moi et qu'ils gagnent du temps. Et de donner aux jeunes, de transmettre aux jeunes en disant, hé les gars, il y a des outils, il y a des structures qui peuvent vous permettre de gagner du temps et d'apprendre comment font les meilleurs. Et Ed Burns a été très important dans cet éveil que j'ai eu sur l'importance des creative writing. C'est que il n'y a pas plus facile, il n'y a pas plus cliché et standardisé que des gens qui écrivent sans règles. Quand je reçois des romans de gens qui écrivent sans règles et qui me disent qu'ils ont envie d'être édités, il n'y a pas plus cliché et standardisé. Donc, apprendre des structures, apprendre des recettes, apprendre des choses, ça évite justement de tomber dans les caricatures et les clichés. Et apprendre les règles, ça permet justement de les quitter et de pouvoir être libre et peut-être d'en inventer de nouvelles. Donc, le côté anarchiste que j'ai s'exprime et s'épanouit dans les règles. Terriblement en colère. Terriblement en colère contre moi de ne pas m'être ouvert les yeux déjà aux États-Unis sur ça. En colère contre tous des organismes français, une certaine mentalité française. Mais ce n'est pas la faute du CNC ou CNL ou des producteurs ou des choses parce que c'est beaucoup plus complexe que ça. Je suis en colère contre une certaine esprit latin. Je m'appelle Defendi, hein. Je dis ça, mais voilà, en colère contre un esprit qui écrase les talents au profit des faiseurs. Je pense qu'il y a plein de talents qui ont besoin de s'exprimer, plein de copains à moi qui sont devenus alcooliques, qui sont suicidés. Et cette colère en moi de me dire, mais ces mecs-là, mes copains, ils auraient connu des creative writing, ils auraient travaillé en équipe, ils auraient connu des structures narratives, ils auraient pu réussir. Et donc, c'est en colère, pas contre des individus ou des institutions. Il y a une colère en moi contre cette tragédie de copains à moi qui s'en sont pas sortis. Moi, j'ai eu beaucoup de chance de m'en sortir, mais ça s'est joué à peu de choses, à des facteurs externes. Et donc, cette colère, elle est terrible envers la perte de gens qui s'en sont pas sortis, quoi. Je pense que l'intelligence collective, elle est hyper importante. Le partage des connaissances, on est meilleur à plusieurs. Et qu'en France, on est toujours dans la maîtrise. C'est que chaque écrivain est tellement arrogant et tellement prétentieux qu'il veut garder la maîtrise de son outil et qu'il veut garder la maîtrise de son scénario et qu'il ne veut pas partager. Parce qu'il est dans le mythe du génie. Il se prend pour un génie, il se dit « Ah ben moi, je suis le meilleur et tout. » Donc, pour se faire briller, il préfère travailler seul au lieu de travailler en équipe et d'être meilleur. Et cet égocentrisme, cette arrogance qu'il y a du génie latin est terrible pour la créativité. Et quand les mecs s'allient et partagent leurs connaissances aux États-Unis, mais ils en tirent une. Ils sont au service de l'œuvre. Et d'être au service d'une œuvre plutôt que de son ego, ça leur amène beaucoup plus de célébrité et beaucoup plus d'argent. Écris, 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 perds pas tes influx, perds pas ton mojo de vouloir écrire et de vouloir exprimer ce que tu as en toi, mais travaille les règles, travaille les règles, travaille les règles, et travaille avec les autres et confronte-toi aux autres très vite. C'est que ne reste pas dans une solitude très feignante et très facile, où c'est très facile quand on est tout seul et quand on travaille tout seul de se prendre pour un génie. Et c'est beaucoup plus difficile de montrer son travail aux autres et d'essayer d'avoir du talent. C'est que c'est très facile tout seul de ça. Donc ça serait un jeune écrivain, ça serait participe à des. Viens aux artisans de la fiction si tu habites à Lyon, participe à des ateliers d'écriture. Il y a des outils technologiques, il y a des outils physiques, il y a des bouquins à lire sur l'apprentissage des structures, mais travaille en professionnel. En continuant de te faire plaisir. Parce que, à court terme, tu vas te faire plaisir sans apprendre les règles. À moyen terme, tu vas te cracher. Donc, fais-toi plaisir, travaille quand même les règles
avec un peu contraignante. Comme ça, sur le long terme, tu pourras te faire plaisir toute ta vie en écrivant.